Salut à tous, c'est Zorba, moi je reviens surtout pour une nouvelle vidéo de petite ouverture de cartes que j'ai acheté lors d'une convention. Donc il y a 48 cartes. Généralement c'est que des cartes en ultra rare. Bon, il y aura quelques doubles, mais c'est toujours ça qui est cool dans la découverte. Donc en fait à chaque fois il y avait une carte visible. Et après les autres cartes on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Donc on va démarrer avec un fantastique magicien du chaos sombre Max. Donc magicien rituel à effet, 2800 d'attaque, 2600 de défense. Donc qui appartenait à la Tin Box 2019, comme on le voit au TN qu'il y a d'affiché. Continue avec... Donc le sage de la chaise de la sagesse Imel. Donc machine à effet, 500 d'attaque, 2500 de défense. BLMR. Alors cette extension-là, je sais plus ce que c'est. Là, on a donc la menthe protectrice. Donc insecte à effet, 1000 d'attaque, 2400 de défense. Le dispositif céleste TZA, donc elfe à effet, 1000 d'attaque, 1000 de défense. Il y a pas mal de BLMR alors. BLMR, je vais regarder juste après ce que c'est. Tac, mon téléphone, en cherchant le téléphone à côté. BLMR, il me semble que j'en ai déjà quelques-unes des BLMR, mais je ne suis pas sûr. Yu-Gi-Oh! Ah non, ça me disait rien du tout. Bataille de légende de la vengeance monstrueuse. Donc une extension avec 102 cartes, 44, 46 crêtes, pardon, 62 ultra rares, 52 nouvelles cartes et 50 rééditions. Avec 25 cartes du booster qui existent aussi en Quarter Century Secret Rare, du coup la rareté spéciale pour les 25 ans. Voilà. Dedans, il y a des trucs plutôt pas mal, hein, comme un magicien sombre, le chevalier de la magie du dragon, le Neos armé, l'Hydre Extors, par exemple. Voilà. Quand même des trucs plutôt cool. Et des cartes qu'on va revoir par la suite. Ensuite, nous avons Lamia, du coup, BLMR aussi. Du coup, reptile à effet, 1300 d'attaque, 1500 de défense. Volatile photon, guerrier à effet, 2000 d'attaque, 0 de défense. Du coup, là, même si j'ai des doubles, il y a pas mal de BLMR, donc je vais pouvoir. Alors quelques cartes qui vont venir remplir la collection, donc ça c'est plutôt pas mal. Là, donc ça de la force Akash, machine à effet, 2400 d'attaque, 200 de défense. Ensuite, zone de non-fusion. Donc magie piège, enfin carte piège, pardon, piège continu. Voilà. Miroir additionnel de niveau 7, magie, carte magie continue. Sauveur avant de terreur, donc là c'est BLCR. Donc carte Link, zombie, lien à effet, 1600 d'attaque, Link 2. Deux monstres zombies nécessaires.
Donc pour lui, alors BLCR, on avait déjà ouvert. Parce que lui, je l'ai déjà. BLCR. C'est Bataille de Légende Vengeance Cristal. Ou alors je l'ai dans une autre extension. J'ai peut-être une autre extension, peut-être pour ça. Parce qu'en voyant les cartes, certaines cartes ne me disent rien du tout. Donc, sûrement une autre extension. On continue avec un Dino Tank de BLCR également. Donc, une machine fusion à effet. Donc, attaque inconnue et 2100 de défense. Un monstre machine, un monstre dinosaure pour effectuer cette fusion. Ensuite, duel des dés, donc carte magie terrain. La montre religieuse, tout simplement. Donc là, on retourne sur BLMR. Donc insecte à effet, 1500 d'attaque, 1200 de défense. Aile noire, Charnga, la lune descendante, donc bête ailée, syntoniseur à effet, 500 d'attaque, 500 de défense. Sakitama, elfe spirit à effet, 400 d'attaque, 900 de défense. Bah là, du coup, Sage de la Force Akashi, on l'a vu tout à l'heure. Enfin, Akash plutôt. Voilà, donc ça, c'est un des doubles que j'ai. Ensuite, nous avons Ikioi Punk Shakakusai, Sharakusai, pardon. Donc psychique syntoniseur à effet, 1200 d'attaque, 600 de défense. Uruboros. Bug. Focus. Focus. Ah, merci. Urubonius, l'incarnation de la rancune. Donc reptile à effet, 2000 d'attaque, 800 de défense. Monstre des dés. Carte magie. Le classique Kuribo Potartiste. Donc démon pendule à effet, 300 d'attaque, 200 de défense. Ouais, donc un autre Kuribo, je sais pas si je l'avais déjà eu lui dans. J'avais ouvert un calendrier de l'Avent avec du coup, enfin il n'y avait que des Kuribos dedans et je sais pas si lui il l'avait déjà donné là-dedans. Parce que là du coup il est BLMR, donc c'est sûr que c'est pas le calendrier de l'Avent. Mais je sais plus si cette version de Kuribo je l'ai pas déjà. Bon, je revérifie. Lamia, on l'a vu tout à l'heure, je crois, je sais plus. Reptile à effet, 1300 d'attaque, 1500 de défense. Bon, je crois qu'on l'a vu tout à l'heure. Je remets l'effet vite fait.
Hop. Un autre sage de la force Akash. Je crois que j'en ai eu 3 du coup dans les paquets. En fait, il y avait 4 paquets de 12 cartes. Et du coup. Voilà. Bon, après, il garantissait pas qu'il n'y ait pas des doubles dans les paquets, quoi. Art Ninjutsu du défilé moustique. Donc une carte magie. Un petit dragon ailé de rat. Donc celui qui vient de la tin box de 2019. Bête divine à effet, bien entendu. Donc celle signée directement en dessous. C'est pour ça qu'elle est vendue sur limitée. Un autre sage de la force Akash. Putain, j'en ai 4. Je croyais que j'en avais 3. Du coup, si quelqu'un est intéressé pour échanger un sage de la force Akash, je suis disponible. Chami Ice. Donc plante à effet. 1500 d'attaque, 500 de défense. Ensuite. Merde. Tac. Merci beaucoup. Chaman de la rose. Ah, celle-là. Ah oui, non. Non, le titre pris bien au-dessus. C'est une ultra aussi. Donc, guerrier à effet, 1700 d'attaque, 200 de défense. Voilà. Pion des poupées. Donc, guerrier à effet, 800 d'attaque, 1200 de défense. Un deuxième pion des poupées. Black Mamba, reptile à effet. 1300 d'attaque, 1000 de défense. Sage de la bienveillance, Ciela. Machine à effet, 2200 d'attaque, 1000 de défense. Monstre des dés qu'on a vu tout à l'heure, donc une carte magie. Majordome aux yeux impairs, Potartiste, donc magicien pendule à effet, 1000 d'attaque, 2100 de défense. Voilà. Fracas de sprint, carte magie, jeu rapide. Oula. Jeu rapide du coup. C'est cage à la caméra qui est en train de se balancer sur le bureau. J'espère que ça va pas trop être pris trop dégueulasse. La boîte à outils, donc carte magie, magie continue. Un dragon blanc aux yeux bleus. Donc lui qui vient de LC01. Legendary. Non, je sais plus. 3000 d'attaque, 2500 de défense. Bien sûr, vous connaissez cette carte, bien entendu. Sinon, qu'est-ce que vous faites sur cette vidéo? Non, je rigole. Bienvenue si vous découvrez Yu-Gi-Oh! On sait jamais, il y a peut-être des gens qui découvrent Yu-Gi-Oh! Parfois. Alors, LC01, Legendary Collection. Du coup,
avec ce dragon blanc aux yeux bleus qui est en deux versions. Et là, c'est la version normale et l'autre était en version Secret Rare. En plus de Obélisque, Dragon et Hydra, Cypher, Magicien Sombre et Dragon d'Or Rouge. Et quand même, édition limitée alors que c'est ça, c'est juste la version ultra rare. Enfin, juste. Après, au-dessus, l'autre version, quoi. Alors, ça est vraiment stylé, surtout avec les flammes derrière. Donc, la vive fantôme, le dragon des enfers. Elle est incroyable. Donc, zombie à effet. 1700 d'attaque, 0 de défense. Ah, je sais pas si c'est jouable, hein, mais. Comme carte. Mais en tout cas, niveau design, elle est vraiment stylée. No Punk The Amine Psychic Synthoniseur à effet. 600 d'attaque, 600 de défense. Voilà. Ça, c'est incroyable aussi. On continue avec. Alors, un autre sage de la bienveillance qui est là. Voilà. Alors, je pense que. Alors, c'est pas pour tout de suite, mais quand j'aurais déménagé, que j'aurais fait. L'inventaire de mes cartes. Un autre Akash. T'as la Akash, je crois que j'en ai beaucoup moins que ça. En fait, j'ai pas mal. Quand j'aurais fait un gros inventaire de mes cartes complet, je pense fortement que je commencerai à faire des échanges avec des gens ou autres. Black Mamba, voilà. Qu'on a vu tout à l'heure. Là, je commence à avoir pas mal de doubles. Tout ce que j'achète et tout. Lamia, on l'a vu tout à l'heure aussi. Voilà. Comment en gros, un exemplaire, ça me va très bien. C'est plus pour la collection, pour faire des decks, donc. Ne lâchez pas les chiens de guerre. Carte magie équipement. Croix finale. Donc carte magie jeu rapide. Ensuite, un Gégolem cœur de cristal. Cyberslay à effet. 0 d'attaque, Link 2. 2 monstres cybers. Oula. Aïe aïe Il en restait plus beaucoup. Hop hop. C'est bon. Il en reste 3. Donc un Dino Tank qu'on a vu tout à l'heure, donc machine fusion à effet avec un monstre machine et un monstre dinosaure. Donc son attaque inconnue et 2100 de défense. Un Sakitama qu'on a vu tout à l'heure aussi, donc Elf Spirit à effet, 400 d'attaque, 900 de défense. Et on finit avec un petit Slifer, le dragon céleste de la Tin Box 2019, donc bête divine à effet, attaque et défense inconnue. Et voilà, donc j'espère que cette petite opening vous aura plu. Bon, il y a déjà des cartes que j'ai déjà vues dans d'autres vidéos, mais j'en ai acquis des nouvelles, donc je suis assez content de cet achat. Bon, même s'il y a pas mal de doubles, mais bon, c'était des paquets séparés, donc on ne peut pas forcément savoir ce qu'il y a dedans. Mais sinon, voilà, content dans l'ensemble de ce que j'ai pu récupérer. Donc, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire si ça vous a plu. C'était Zorbama et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous.